Allez, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle découverte aujourd'hui. On est à Hockenheim et on va se faire embrocher dans le premier droit. Non, ah non, ça passe pas. Ben voilà, on a été touché par Ekström, je pense. On est aujourd'hui sur Race Room pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qui se présente dans le DTM édition 2016 qui vient d'arriver il y a quelques jours avec l'update. Alors ça a été compliqué hein, de vous présenter ça parce que, eh bien comme à chaque update, Race Room est en train de nous faire le coup de venez, venez jouer, venez en multijoueur et le jeu met une semaine à mettre à jour ses serveurs pour nous permettre de profiter du jeu, que ce soit online ou offline. Avec ici... Donc le peloton de DTM Experience 2016, alors ce n'est plus une expérience indépendante. Oh, faut freiner. Ce n'est plus une expérience indépendante. Oh, je fais de l'extérieur, est-ce que je peux avoir l'audi à l'extérieur? Non, oh, ça glisse, attention à la relance. Ouais, je me suis fait toucher, je pense, derrière. C'est assez serré, je vais encore essayer de faire la l'extérieur à Ekström. Oh, on se touche. Ouais, c'est pas assez pour Ekström. Bon, on va continuer. Et dans cette première course, alors plusieurs choses à vous dire. On va parler de la mise à jour de Race Room. En plus de parler de ce pack DTM 2016, on va faire un tour avec les trois voitures. Donc le dernier statut de Race Room en ce moment, c'était ça marche pas trop mal, mais il y a encore des erreurs. Oh, Ekström qui m'a poussé, j'ai pas rêvé. Je crois qu'Ekström m'a poussé ou alors j'ai perdu l'arrière. Bref, revenons à nos poulets. Donc je disais la mise à jour qui est toujours balbutiante hein, quand Race Room met une update à jour et on devrait encore subir ce genre de problème avant la fin de l'année puisqu'il y a encore d'autres choses qui doivent arriver. Alors on a eu des belles annonces, on a eu l'annonce de la Dallara DW12, donc la Formula Race Room US qui sera de l'IndyCar. La Formule 3, Formula Race Room 3 qui ferait le lien entre la Formule 4 et la Formule Race Room 2. Oh il m'a pris à l'intérieur Ekström, c'était magnifique. Ah j'ai rien pu faire. Et alors en parallèle de tout ça, il y a encore des choses comme la KTM Xbo, l'Audi TT VLN, l'Audi TT Cup que je vais vous présenter d'ici quelques jours. On se retrouvera pour une petite vidéo découverte de l'Audi TT Cup version 2016 qui remplace la 2015. Enfin, elle est toujours dans le jeu mais qui prend la suite. Et ici, on est en train de découvrir ensemble la vraie nouveauté pour l'instant de ce Race Room. Même si certains ont déjà eu l'opportunité de la conduire dans un challenge contre la montre, et bien c'est cette Mercedes AMG, la C63, qui a fait ses débuts en DTM lors de cette saison 2016. Attention, parce qu'on a Maxime Martin derrière. On va essayer de faire encore l'extérieur avec Ekström, mais rien à faire. Ouais, non, on va plutôt se faire avoir à la relance. Toujours très délicat de relancer ces DTM. Et on a donc trois courses qui sont prévues dans cette vidéo. Je vais essayer de vous en faire trois courtes avec les trois voitures pour vous expliquer un petit peu tout cela. Donc, je reprends. Le DTM est mis à jour avec cette saison 2016, ce qui vous fera payer... pas grand chose, hein. Je crois que vous en aurez pour 3 ou 4 euros si vous avez déjà toutes les anciennes expériences. Vous allez juste payer la nouvelle Mercedes qui est la vraie nouveauté. Oh, attention, là on a été à la dérive sur le vibreur. Il y a toujours la BMW M4 et l'Audi A5 qui elle ne bouge pas. Mais dans cette version 2016, il y a eu quelques petits changements, quelques ajustements dus à la physique, au comportement. Et surtout, certains circuits ont été réévalués, retracés, comme ce circuit d'Hockenheim que je n'ai pas pris au hasard. Puisqu'elle a été un petit peu retravaillée dans sa configuration avec eh bien son dénivelé et ses bosses. Il y en a quelque chose de beaucoup plus fluide au volant de ces touring cars. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans ce jeu. Des nouveautés, désormais vous pouvez choisir le nombre de minutes, le nombre de grilles inversées que vous voulez placer, le nombre de qualifications, les réglementations appliquées. Donc ça, c'est plutôt cool pour si vous voulez faire la carrière. C'est un peu pour ça aussi que j'attendais de vous faire la saison de GT, qui va débuter rapidement dans la carrière Race Room, qui reprendra bien entendu. Vous avez aussi les crevaisons qui débarquent désormais. Vous pouvez crever un pneu lorsqu'il sera trop usé. À vous après de réussir à ramener la voiture au box. Quoi d'autre? Certaines voitures ont changé de transmission. Par exemple, la Nissan GT-R et l'Audi DTM 92 sont passées de 4 roues motrices à propulsion. Ce qui fait d'ailleurs grincer des dents sur les forums. Il y a certains pilotes qui disent mais ça devient inconduisible. Alors, sincèrement, dans cette update, il y a des très bonnes choses pour moi. Notamment les tractions qui ont bien évolué. Le grip aérodynamique qui est beaucoup plus précis quand vous décrochez derrière une voiture. Mais surtout, les 4 roues motrices sont devenues inconduisibles. Ça, c'est assez marrant. Les voitures 4 roues motrices sont un peu plus difficiles à piloter et un peu plus délicates à régler. Donc ça, c'est quelque chose d'assez d'assez particulier. Au niveau du reste, eh bien, pas de grosse évolution. Il y a quand même une différence que je vais évoquer tant que je suis avec cette voiture. C'est que pour moi, cette Mercedes est un peu trop au-dessus du lot. Ce qui est assez bizarre puisqu'IRL, elle n'était pas non plus à son avantage. Hein, puisque je rappelle que la dernière course, c'était une lutte entre Marco Wittmann et sa BMW et Mortara et sa A5. Donc c'était assez particulier. Bon, on va bientôt finir cette course-ci. Je vais couper là.
et je vous reprends avec une autre course juste après. Et on démarre avec la M4 de Farfus ici à Spa, on va faire même pas deux tours, hein, je pense. Histoire de montrer un petit peu ce que vaut cette voiture. Alors, il y a une nouveauté dans ce DTM 2016 comme IRL, c'est que vous avez désormais 3 opportunités de DRS par tour. Donc, si vous passez au transpondeur à moins d'une seconde de la voiture de devant vous, eh bien, vous allez vous retrouver avec le DRS qui va s'ouvrir. Alors, je suis un peu stressé quand je passe dans le rayon avec cette voiture-ci parce que je perds pas mal de vitesse, mais on peut se récupérer. Donc, désormais, 3 DRS partout. Donc ça c'est pas mal, vous ne l'avez pas au départ évidemment. Donc ça s'ajuste aussi au niveau des règles. Donc un restroom qui est de plus en plus complet, des serveurs qui sont un peu plus solides. Donc on va avoir pas mal de nouveautés dans les mois à venir. Et bah voilà, je voulais vous faire un petit tour d'horizon de ce que présentait visuellement ce DTM qui est très joli. On a toujours Koda Factory, hein, Alex Koda qui est en train de nous faire chaque fois les skins, hein, de ces voitures qui sont absolument super. Je suis un gros fan de la M4 Red Bull notamment et de l'Audi Castrol, qui sont pour moi, je trouve, très jolis. Ce sont mes livrets préférés dans le Speaker's Corner ici. Alors au niveau des évolutions, je vais vous laisser profiter peut-être, je verrai comment je ferai au montage, mais d'un peu de caméra embarquée parce que c'est plutôt fluide et ça évolue un petit peu au niveau du son, je trouve, ce DTM en niveau ambiance. Voilà, je vous aurais fait écouter un petit peu ce que donne le son de cette BMW. Alors qu'il y a eu pas mal de nouveautés aussi visuellement. Je parlais des crevaisons, etc. Il y a pas mal de petits add-ons ajoutés, notamment au niveau des caméras. Beaucoup de caméras TV ont été retravaillées sur bon nombre de circuits. Alors vous avez certainement entendu le petit bip au moment où je suis passé au niveau du transpondeur de ce circuit de Spa, ce qui m'a dit que j'ai désormais l'opportunité d'utiliser... Eh bien, le DRS 3 fois dans le tour qui suit. Alors là, on est à l'aspiration sur Marco Wittmann dans le Rédillon. C'est vachement impressionnant. On soulage un peu. J'ai pas osé passer à fond malgré tout. On rouvre le DRS. Voilà, pour le haut. Vous avez même le son désormais du DRS. Le mécanisme du DRS qui s'enclenche. Donc vous savez si vous l'avez ou pas appuyé. Ce qui était assez dérangeant précédemment. Parce qu'on avait uniquement une LED sur le tableau de bord qui nous indiquait si oui ou non on avait le DRS ouvert. Et maintenant, on a quelque chose d'un peu plus différent. En tout cas... Il y a une différence dans le comportement des voitures qui est un petit peu plus marquée que ce qu'on avait avant. Donc je vous disais, la BMW est plus racée, plus agressive, plus hachée. L'Audi est un petit peu plus pataude, plus coulée. Et la Mercedes est un petit peu celle qui va surprendre tout le monde. Alors je suis étonné aussi qu'au niveau de l'IA, il n'y ait pas beaucoup de changements au niveau des performances. Et que je pense que pour des raisons de droit, on a dû niveler un peu les performances de ces trois autos. Alors que IRL, on sait bien que malheureusement, certains étaient derrière lors de cette saison. Au passage, j'ai évoqué rapidement l'IA, il y a quelques petites nouveautés. On pouvait craindre à l'époque eh bien, d'avoir des changements de ligne au niveau des freinages quand il y avait un peu de monde au départ. Ça s'est bien amélioré. Désormais, l'IA est un petit peu plus au contact qu'auparavant, mais sans forcément se mettre en tête à queue dans les 2-3 premiers virages et bloquer et couper le peloton en deux. Donc c'est quelque chose qui a bien évolué également. Quoi vous dire d'autre si ce n'est que c'est réussi, comme d'habitude, du Race Room. Dès qu'on a une update depuis 2 ans, ça nous donne pas mal de belles choses. Au niveau, donc je vous évoque un peu ce que j'ai retenu du stream qui est disponible sur la chaîne de Race Room, évidemment. Les nouveautés, malheureusement, on n'a plus de nouvelles de la BMW Cup, la M2. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on verra bien ce que tout cela donne. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette course ici à Spa. Je vous laisse et je vous reprends peut-être pour une 3e course.
Et le départ s'est bien passé pour cette dernière course. Je vous ai laissé profiter un petit peu du son aussi en extérieur de ces voitures qui est assez pétaradant et réussi. Globalement, un mode qui est assez intéressant. Alors si vous avez les anciennes versions, prenez-le parce que ça ne vous coûte pas cher. Et si vous êtes plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Par contre, si vous n'avez pas encore craqué pour un de ces championnats DTM, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous claquez 32,99€ et vous avez l'ensemble des saisons DTM. Donc DTM Experience 2013, 14, 15 et 16. Ça vous fait 4 saisons. Après, ça reste que 3-4 voitures parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, pour être honnête. Ça peut-être 5 voitures différentes. Donc après, à voir si vous êtes vraiment fan de Super Tourisme, enfin de Silhouette. Je vais l'avoir au freinage. Non, je peux pas. Je n'ai pas pu attaquer. On est avec la voiture de Mike Rockenfeller. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suppose que vous l'avez déjà vu sur la voiture. Soit vous avez cette opportunité là, donc 32€ pour tout prendre, ou juste la saison 2016. Et je vous avoue un truc, c'est que pour la différence, prenez le tout quoi. Parce que quand vous regardez ce que vous coûte une expérience, c'est-à-dire la 2016 et le reste, bah, prenez le pack quoi. Parce qu'honnêtement, vous allez plus vous marrer à refaire des séances et des scènes des années précédentes qu'autre chose. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que selon l'année, la voiture qui était championne, etc., les modèles restent les mêmes. Donc c'est un petit peu dommage. Et vous pouvez avoir une voiture qui est un peu plus performante que l'autre. Mais ce sera par modèle. Une voiture qui a un tel indice de performance en une année et qui a été moins bonne l'année suivante ne va pas changer. Ça, c'est aussi un petit peu dommage. C'est-à-dire que les caractéristiques des voitures s'équilibrent un peu au fil des années. Donc, à moins que vous soyez vraiment fan, je vous le dis, prenez juste le DTM édition 2016. Voilà, écoutez, je pense qu'on va terminer tout doucement cette course ici au Red Bull Ring avec l'Audi. Je vais vous dire eh bien, de vous rendre dans la description si vous souhaitez retrouver toutes les informations nécessaires pour acquérir ou non ce championnat DTM 2016, DTM Experience. Vous pouvez retrouver aussi le store Race Room avec pas mal de lags, donc soyez patients. Le store Race Room qui a été complètement revisité avec des packs. Trois nouveautés également, je vais vous les évoquer rapidement. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les simulations et que vous voulez vous y mettre, eh bien vous avez des packs qui sont offerts, qui sont des packs débutants, amateurs et professionnels. Donc soit vous achetez une petite partie avec des petites voitures pour débuter le jeu, ensuite les voitures plus véloces et enfin les avions de chasse comme les sports prototypes, par exemple Audi R18 et autres dans ce jeu qui est plutôt sympathique. Allez, on a le DRS, on va tout doucement refermer cette vidéo découverte. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité habituelle. On se retrouve très vite pour vivre ensemble deux nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais attaquer à gauche, magnifique. Allez, décidément on le retrouve beaucoup, notre ami Ekström. Et voilà donc pour ce DTM 2016, c'est du tout bon, c'est du Race Room et ça fait le café. Allez, merci à tous et à la prochaine, salut.